Salut les fraudes! Je crois qu'on va prendre cette compo. On veut R9. Putain, les gars, j'ai deux joueurs, aucun qui est au bon poste. Enfin, les trois joueurs, les quatre joueurs les plus forts que j'ai. Franchement, les drafts, c'est insupportable cette année. Ça bouge pas, les gars, c'est insupportable. J'en ai ras le bol. T'as quatre joueurs, y'en a pas un que tu peux placer là. C'est une honte absolue. Ouais, je vais prendre Léo, mais bon, c'est frustrant quoi. Surtout que j'ai jamais testé cette carte, mais je peux pas la voir bien. Tonnet, les gars, il est meilleur que Solskjaer, hein. Tonnet, on va tester. Après, j'aimerais bien avoir les grosses icônes. En draft, je crois que des mecs qui ont des grosses icônes. Moi, je les ai jamais. Ça part très mal, hein. C'est con, ce que Verratti et tout, avec Messi, c'était bien. Mais là, ça sert à rien. Donc, ça va être Emre Can ou Kovacic, je pense. Prends Emre Can. Il a une belle carte. La draft, les gars, elle est éclatée. Il n'y a pas de lien. Elle est éclatée encore. J'ai les pires drafts à chaque fois. Je comprends pas, les gars. C'est une constante, les gars, hein. Là, par contre, Alba, c'est pas mal avec deux jongles. Ok, alors là, il y a Nacho ou Varane. Je vais prendre Varane avec Toney et tout, puis FR. C'est ça que je comprends pas. Ah bah, Koundé, c'est bien. Bon, la défense, c'est bien. Il y a 2-3, mais ça manque de folie, quoi. Puis Messi, je l'ai pas à mon meilleur joueur. Je l'ai pas au bon poste, quoi. Unai, Maran. Ah bah non, De Rea, c'est parfait. Ce qu'espagnol, les liens avec Varane et tout, ok. Oh, Godfouet. Le truc, c'est qu'il y avait Dalot qui était très bien aussi. Que là, avec Manchester, ça me mettait ultra bien. Et Godfrey qui est incroyable. Mais j'ai déjà Koundé Varane. Ça va être dur de faire mieux. C'est pas mieux. Dalot, les gars, ouais. En vrai, je pense là, c'est plus intéressant, Dalot. Que là, vu que j'ai des Barcelonais, c'est à rien la charnière. Mais la défense, j'aime bien. Tu vois, pareil. Là, t'as quand même des joueurs pas trop dégueux. Il n'y en a aucun qui a le poste. On va prendre Diaz pour le moment. Ah. Putain. Franchement, bon, tranquille, mais. Ah, c'est chiant. Bon, les gars, maintenant, je prendrai des compos en 4-3-3 et tout avec des ailiers. Parce que, mais j'aime, je déteste le 4-3-3, ça qui est chiant. Mais c'est le seul moyen d'avoir des bons joueurs à leur bon poste. À prendre Garincha, mais pareil, c'est tellement frustrant, putain. Moi, ça me fout le mort. Ah, ça là. Vamos. Putain, il y avait Neymar aussi, Gigi, Simon. Que des cracks, les gars, là. Bon, à prendre ça là, il a le poste, c'est très bien. Bon, de toute façon, les derniers choix, il n'y a jamais rien. J'ai jamais eu un bon joueur sur les 2-3 derniers choix, c'est tout le temps des trucs éclatés. Ok, bon, après changement, ça ira quand même, ce sera pas mal. Hein. Bon, les gars, ça là, vu que c'est mon meilleur joueur avec du col, lui, pas loin de penser que ça là, faut le mettre BU ou est-ce qu'on le laisse, lui? Bon, du coup, là, on peut mettre direct Léo et Garincha va rentrer. Hein. Garincha rentrera sur le côté, quoi, et le reste, on va... Pas trop, on va pas toucher. Va, Tonnet! Au deuxième, magnifique. Putain, il m'a étonné sur ce coup. Qu'est-ce qu'il est fort, Tonnet! Qu'est-ce qu'il est fort! Non! Un tonnerre d'applaudissements, c'est drôle ça! Vamos! Oh, Tonnet, j'ai confiance. Lob. Qu'est-ce qu'il est fort, Tonnet. Les gars, j'ai fait exprès, j'ai fait un 1-2 avec le goal. C'était subtil, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Oh, j'aurais dû tirer à gauche. Mais par contre, là, c'est incroyable. Normalement, il y a déjà 3-0. Voilà, dealer, Léo! Je suis trop con. Le mec, il faisait de la dev photo, j'ai juste avancé, c'était but, je suis trop stupide. Oh, il m'a laissé tirer, hein. Ça m'a étonné sur le coup, mais du coup... Il est là encore! Il est là, il rate rien! C'est un putain de passeur en plus. Hein. Puis Messi, pied droit, pied gauche, avec collectif, sans collectif, c'est toujours la même histoire. Ça reste le numéro uno. Oui, Léo, il y en a marre! C'est trop facile le foot pour toi. C'est beau ça. Oh, pour Tonnet. Oh! Bon! Il m'étonnera toujours celui-là. Hein. Vamos! Il joue avec Haaland au but car il est lenti, bien sûr. Voilà, il y a quelques amoureux du beau jeu ici, on se reconnaît les gars. Vamos, moi je suis avec vous. Je vais voir ton nombre de matchs avant de parler de douche chez son taf MDR. Voilà, il a tout dit. Le truc c'est qu'il y en a, vous avez plus de matchs que moi.
Mais sauf que vous, c'est pas votre taf. Vous avez bien là le problème. Vous avez le triple de match de moi et le problème, c'est que vous êtes soi-disant à l'école ou au taf à côté. On se pose quand même de sérieuses questions. Lui va faire des frappes bug, ouais, ça se voit, lui. Ça, c'est un joueur, c'est un mec du chat, ça. 100%. Mais non, de jongle. Tire, voilà, c'était fait exprès, vamos. Bah vamos. En plus, elle est touchée, mais c'était le petit toucher de tonnet, les gars, c'était trop. C'était trop pour un seul homme et le gardien, du coup, ça fait but. Quelle défense, c'est trop. Comme en défense, je prends les bonnes décisions pour pousser l'adversaire à la faute à chaque fois. Je suis vraiment trop chaud. Le gout! Une défense, les gars, une action défensive d'école et une attaque, un contre d'école. C'est trop comment vous apprenez tout le temps au quotidien avec moi, les gars. C'est mieux que l'école pour vous. Ah, vas-y, ça par contre, j'avais pas anticipé. Ah. C'est pas le football là qu'on vient de paquer. Hein. Ah, vas-y, c'est bon. Ah, la draft, les gars, on l'a pas remboursé. Je crois qu'on s'est pris une giga carotte là. Hein. J'ai dû l'avoir 10 fois. Hein. 10 fois, les gars, non? En 2 secondes.